Le cresson du para. Nom latin, Spilante, Acmella. Famille, Astoracée. Nom commun, cresson du para. Propriété thérapeutique. Adaptogène, antibactérien, anti-inflammatoire, anti-scorbutique, digestif, diurétique, immunomodulateur, insecticide, larvicide, lithotriptique, sialogénique, tonique, analgésique, antioxydante, antihypertensive, antipaludique, vasorelaxante, anti-moustique, antitumorale, hépatoprotectrice. La plante est réputée anesthésique. Partie utilisée. Racines, feuilles. Distribution. Philippines, Brésil, Afrique, Amérique, Asie, Europe. Botanique. Le cresson du para est une plante herbacée annuelle érigée et ramifiée qui atteint une hauteur de 15 à 60 cm. Les feuilles sont opposées, lisses ou presque, ovales ou ovales lancéolées, et de 1,5 à 3 cm de long, avec une pointe pointue et une base en forme de coin, et avec des bords dentés ou ondulés. Les têtes coniques se produisent individuellement aux extrémités de longues tiges et mesurent environ 1 cm de longueur. Les fleurs sont jaunes. Les akènes sont aplatis, oblongs, brun foncé et enfermés séparément dans des écailles. Constituants. Les feuilles donnent des alcaloïdes, des caroténoïdes, des huiles essentielles, des sesquiterpènes, des acides aminés. Utilisation culinaire. Dans certains pays asiatiques, la plante est utilisée comme épice. Médecine rurale. Une décoction de racines de 4 à 8 g pour une tasse d'eau est utilisée comme purgatif. Une infusion est utilisée pour les démangeaisons et le psoriasis. Une décoction de plante entière est utilisée comme diurétique et comme solvant pour les calculs vésicaux. La plante entière est également utilisée dans le traitement de la dysenterie et des rhumatismes. Le jus de feuilles ou les feuilles meurtries sont appliquées sur les plaies et les ulcères atoniques. Les capitules sont mâchées pour soulager les maux de dents, car ils produisent un engourdissement. Les têtes florales sont utilisées comme hémostatiques et analgésiques. Une teinture de capitule est utilisée pour les maux de dents. Les têtes fleuries sont frottées sur le front pour les maux de tête. Danger, aucun connu.